Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve sur ma terrasse. Comme ça on dirait pas mais on est à l'extérieur parce qu'il fait très très chaud et il y a une voiture qui vient de passer, mais c'est le jeu, de toute manière je ne peux pas faire autrement étant donné qu'il fait trop chaud pour filmer à l'intérieur de chez moi. Du coup je me suis dit filmons dehors, il y aura des petits bruits mais bon c'est pas grave, life is life. Bon, je pense que c'est un secret pour personne si je vous dis que je suis obsédée et amoureuse des paillettes. C'est vraiment quelque chose que j'adore, que ce soit dans le maquillage, dans les vêtements, dans les accessoires, en déco, enfin bref, vraiment j'adore quand ça brille. Je suis une littérale pie, ça voudrait dire, mais je suis une réelle pie. Genre dès qu'il y a quelque chose qui brille dans un magasin, vous pouvez être sûr que je me jette la tête la première dedans. Enfin vraiment, c'est quelque chose que j'aime trop. Et j'ai reçu une box il n'y a pas longtemps qui vient du site Look Fantastic. Et en fait ils ont sorti une box festival, il me semble qu'elle s'appelle la Festival Box, quelque chose comme ça. Et dedans en fait il y a plusieurs petits produits dont des paillettes. Quand j'ai vu qu'il y avait des paillettes dans la box, je me suis dit qu'au lieu de faire un maquillage pour un festival qui est beaucoup trop... Enfin c'est fermé un peu, genre il n'y a pas tout le monde qui va dans les festivals. Quand on va à un festival on n'a pas forcément envie de se maquiller comme jamais parce qu'il fait chaud, on va transpirer et tout. Du coup je me suis dit plutôt est-ce que ça serait pas mieux que je vous fasse deux manières que j'ai d'ajouter des paillettes dans mon maquillage du quotidien. Comme ça, ça peut pimenter un peu vos make-up quotidiens et vraiment ça demande pas grand chose. Je me suis déjà maquillée comme je me maquille tous les jours et ça va être le tableau, on va dire, hein, de base de ce maquillage. Et vous allez voir qu'on va ajouter des paillettes à deux endroits, mais bon, j'en dis pas plus, on y va. Avant toute chose, je vais vous montrer le contenu de cette box parce que bon, j'en parle, mais c'est mieux si je vous montre. Bon, sinon, le contenu de cette box, à l'intérieur, il y a un spray pour le visage qu'on met avant ou après le maquillage. Il y a aussi une laque qui fait des petites paillettes dorées trop mignonnes. Ça peut être cool si vous allez en festival ou même genre pour Noël ou quoi, parce qu'en fait les paillettes sont hyper disparses et discrètes, donc ça peut faire hyper beau. J'ai plusieurs petites idées de coiffure avec ça, donc à voir. Il y a un petit mascara waterproof, une base à glitter mix, deux pots de paillettes, donc un bleu vert et un rose. Et enfin, ma chose préférée, un kit de démaquillage. Et ça, je vous en parlerai juste après parce que je trouve ça trop trop cool. Et maintenant, c'est bon, c'est parti. Bon, c'est parti pour ce premier look. Tout d'abord, je commence par mettre un peu de mes paillettes dans le capuchon. Puis, je prends ma base à paillettes que je mets sur le dos de ma main. Et avec un pinceau assez petit, je viens colorier l'intérieur de mon liner déjà existant avec la base à paillettes. Et après, par-dessus, avec le même pinceau, je repasse avec cette fois-ci les paillettes que j'avais prises dans mon petit capuchon. Et pareil, je tapote et j'hésite pas à repasser plusieurs fois sur les paillettes pour que vraiment le liner soit condensé en paillettes et bien brillant comme on aime. Et donc, voilà le résultat. Je trouve ça vraiment trop trop mims. Bon, premier maquillage facile et réalisé. J'ai juste rajouté des paillettes sur mon liner. Ça prend vraiment 3 secondes à faire et le résultat, il est trop mignon. Si par exemple vous sortez d'une journée de travail, que vous avez une soirée, que vous voulez changer votre maquillage sans trop en faire et sans en prendre trop de temps, ben vous mettez un peu de paillettes dessus et je trouve le résultat trop mignon. Et en plus, les gens vont penser que vous avez passé des heures à faire ça, parce qu'ils vont dire « Ouah, quoi, mais un liner à paillettes ?» Alors que pas du tout, ça prend 3 secondes. Donc, première étape, done. Maintenant, je vais vous parler de ce kit, qui est en fait un kit de démaquillage. Je vais vous montrer. Je crois que ça fait maintenant plusieurs années, genre facilement 2 ans, que je me démaquille plus qu'avec des lingettes démaquillantes mais lavables, ce qui fait que ça a un bon impact pour l'environnement étant donné qu'on n'utilise que de l'eau et pas d'autres produits. Après vous pouvez utiliser d'autres produits si vous voulez, mais bon bref, j'utilise que de l'eau personnellement et du coup en fait on jette pas autant de coton et on jette pas non plus de lingettes démaquillantes quoi, qui ont tendance à polluer. Et du coup je trouve ça trop cool, c'est une bonne alternative quand on part en vacances aussi parce que du coup on n'a plus qu'une lingette à emporter et pas tous les produits à se trimballer, donc je trouve ça trop sympa. Et ça
Celles-ci viennent de la marque Glove. Du coup, dans ce kit, il y a un petit bandeau pour se démaquiller. Il est tellement doux, j'ai envie de le porter cet hiver pour me réchauffer les oreilles. Du coup, il y a ça dans le pack. En bombe. Il y a quoi d'autre? Il y a une des lingettes. Alors attendez, il faut que je l'ouvre. Donc c'est trop cool parce qu'elle est dans une petite pochette. Donc si vous voulez la transporter avec vous, c'est trop bien. Et du coup, ça ressemble à ça en fait. Vous mettez votre main dedans, vous le mouillez et vous passez sur votre visage. Et il y a tout qui part hyper rapidement. Et enfin, il y en a un juste tout petit. Regardez comme il est trop mignon. Pour enlever juste le maquillage des yeux. Et là, vu que c'est ce qu'on va faire, parce que je vais pas m'amuser à refaire mon teint, je vais le faire avec vous. Non mais c'est adorable. Je vais aller mouiller ça et je reviens. I'm back. Du coup, j'ai mouillé ma petite éponge et il y a juste à la passer et ça part. Bon, bien sûr, enlever des paillettes, c'est très chiant. Et je suis contente, j'ai réussi à pas trop tuer mon maquillage. Bon, mon premier maquillage a été fait, a été démaquillé. Du coup, je vais refaire mon liner pour repartir sur la même base qu'avant. Puis, je vais vous montrer ma deuxième version d'un maquillage simple avec des paillettes. Bon, ça y est, on repart sur la même base qu'avant. Et cette fois-ci, je vais partir plus sur un coin interne pailleté. J'adore ça, je trouve que ça fait trop beau, ça fait un trop bel appel de lumière à l'intérieur de l'œil. Et à chaque fois que je le fais, les gens sont là, disent « Waouh, c'est trop beau !» Donc je veux que vous aussi on vous dise « Ouais, c'est trop beau !» C'est parti. Le début de ce tuto est le même que l'autre. On commence par mettre nos paillettes dans le petit capuchon. Puis avec la base et un petit pinceau fin, on vient mettre la base à l'intérieur du creux de l'œil. Donc j'en mets bien en haut et un tout petit peu en bas. Puis en haut, j'hésite pas à étirer la base un peu à l'intérieur de l'œil pour que ça puisse créer un effet dégradé de paillettes après quand je les appliquerai. Après, toujours avec le même pinceau, je viens prendre les paillettes et au début, je tapote les paillettes afin qu'elles se collent bien et qu'elles restent en place. Puis après, j'étire le reste des paillettes sur le reste de la paupière pour créer l'effet dégradé dont je vous parlais plus tôt. Et pareil, je mets un peu de paillettes en bas de cils et du coup, le résultat est trop mignon et hyper lumineux. Bon, et une fois que notre maquillage est fait, on va juste mettre un peu de mascara. Parce que du coup, j'en ai toujours pas mis. Et du coup, là, c'est le Eiko, le Yoga Waterproof. C'est parti, j'ai jamais essayé les mascaras cette marque. Enfin, pour s'assurer que notre maquillage dure un long moment, je vais mettre un peu de brume fixatrice. Ça sent le coca. Je vous jure, ça sent le coca, mais sans bulle. Ah! Bon, j'ai mis ma brume un peu trop tôt. Et j'en ai mis un peu trop. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Va falloir que j'aille remettre de l'anti-cerne. Et vu que là, il n'est pas avec moi, j'irai le faire après. Mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que ça va vous inspirer à utiliser des paillettes dans votre maquillage de tous les jours. Parce que c'est pas quelque chose de facile à travailler. Vu que ça vole, c'est... Franchement, on va pas se le cacher, les paillettes c'est trop chiant. Mais à chaque fois, je trouve que le résultat, il est trop beau. Et ça en vaut trop la peine. Il y a tellement de belles choses à faire avec des paillettes que... Vraiment, faut sauter le pas et oser. Donc j'espère que ces deux petites idées pour oser l'air de rien les paillettes dans votre maquillage vous plairont. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez déjà des paillettes dans votre maquillage ou si vous allez tester grâce à ces deux petites idées. Du coup, si ça vous intéresse de tester tous les produits que j'ai utilisés dans la vidéo, n'hésitez pas à aller sur le site Look Fantastic. Je vous mets en barre d'infos un code promo et le lien du site totalement. Il y a plein de marques qui sont sur ce site et plein de produits trop cool, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir. Et je crois que le code promo il est de 22%, donc ça en vaut vachement la peine. Qu'est-ce que je fais avec mes mains? On ne sait pas.
on est journée de canicule, donc je vais pas vous cacher que je vais aller me démaquiller totalement, faire un masque, mettre de la crème hydratante, parce que ça, ça fait du bien à la peau. Et en attendant la semaine prochaine, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.